Et en plus, je suis même pas payé. Si, je te paye en nature. Oh là là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me dépêche à finir mes commandes. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quoi dans cette vidéo? En fait, je vais vous dire tous les petits trucs que j'ai fait cette semaine. J'ai fait des petites optimisations, des petites finitions à droite à gauche. Il y a des choses que j'ai pas pu faire parce qu'il pleut toujours. On a un temps de chiottes, c'est un truc de dingue. Donc bah, ça, c'est toujours pas fait. Voilà, je vous ai écouté, hein, vous m'avez parlé de compribande, un truc comme ça qu'on peut trouver à Leroy Merlin apparemment. Et on peut aussi acheter ces Wurtz. Bah, du coup, on n'avait pas fait gaffe, mais en fait, on est pro. Donc, on les a appelés Wurtz. Ils ont dit, ouais, pas de problème. Vous venez avec votre numéro de cabis. Et puis, on peut vous faire la carte et vous pourrez venir acheter dans nos magasins. Donc, bah, ça, déjà, c'est cool. C'est une. J'espère que vous m'entendez bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça, de ce côté-là, c'est OK. Ensuite, j'ai pas dormi il y a 2-3 jours. J'ai réfléchi à un truc. Vous savez que ici, j'ai mon chauffage gasoil. Vous voyez? Ici, j'ai mon chauffage gasoil qui chauffe tout le car avec un circulateur, avec de l'eau, qui me chauffe aussi mon sèche-serviette qui est dans la salle de bain et qui chauffe aussi le chauffe-eau électrique. On l'a coupé là depuis environ une semaine et demie parce qu'il n'y a plus assez de soleil pour l'alimenter. Il tourne hein, si vous voulez, mais par contre, il fait plonger nos batteries le soir et du coup, ça ne va pas. Vous pouvez remarquer aussi qu'on s'est branché, ça y est, on a commencé à se brancher. Après, nous, c'est un peu délicat parce que Charlotte, elle a son entreprise. Vous allez voir quand je vais monter tout à l'heure, vous ferez les choses que j'ai fait là-haut. Les machines, elles n'arrêtent pas de tourner en ce moment, donc bah, les panneaux solaires, c'est impossible. Avec le temps qui fait pourri, là, c'est mort. Donc, on s'est branché. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de se brancher. Si vraiment il fait moche pendant une bonne semaine, il faut qu'on roule. Si on ne roule pas, il faudra qu'on branche le groupe électrogène parce qu'au bout d'une semaine, les batteries commencent à plonger si on n'utilise pas les machines de Charlotte. Attention. Donc je pense qu'en tout, avec un temps pourri comme ça, avec nos panneaux solaires, on peut tenir une bonne semaine. Ensuite, il faudra rouler ou alors une petite journée de soleil ou une après-midi de soleil. Et franchement, ça recharge vraiment bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau solaire, les panneaux ils fonctionnent super bien. Et quand vraiment il fait moche, on arrive à charger à 300 watts. Donc ça c'est vraiment pas mal, 300 watts. Et tout fonctionne bien, les batteries, tout le système fonctionne bien. On n'a pas eu de soucis, c'est pour ça dans cette vidéo je vous fais un petit retour. On n'a pas eu de soucis. J'en profite aussi pour vous dire que chaque début de mois ou chaque fin de mois, je vous ferai une vidéo sur mes consommations électriques et gasoil. Gasoil pour chauffer la cabine, gasoil car, je vous dirai combien on a consommé, combien on a dépensé, et aussi gasoil pour chauffer le... tout le bus. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut consommer suivant les mois, suivant les saisons, ce que ça peut coûter en fait à une, pour une famille de 4, le chauffage quand on vit dans un bus aménagé. Voilà, je pense que ça va vraiment être intéressant d'avoir un retour au niveau du coût du gasoil. Je vous dirai si j'ai mis du rouge, si j'ai réussi à mettre de l'huile ou du pétrole. Enfin voilà, pour l'instant on tourne au gasoil parce qu'on a tellement de choses à faire qu'on ne veut pas se prendre la tête à aller chercher du fuel à droite à gauche. Donc pour l'instant on tourne au gasoil et je note tout. Et vous aurez un retour chaque mois de tout ça. Voilà. La petite chose qui m'a tracassé, c'est quoi? C'est qu'en fait, je me suis dit, le Webasto il tourne. Il est monté sur un programmateur à l'intérieur. Je programme, admettons, à 19 degrés. La température de consigne, quand ça descend à 18,8, le Webasto se met en route. Donc ça monte, tout doucement la température elle monte dans le bus. Et à 19,2, température de consigne de coupure, hop, le Webasto il se coupe. Il se coupe, ok? Et en fait, on n'a pas un problème, si on peut dire ça comme ça, c'est que l'intérieur du car va mettre beaucoup de temps à redescendre. D'accord? Il va mettre beaucoup de temps à redescendre en température. Et dans ces coffres, j'avais fait passer mes tuyaux de chauffage près de mes tuyaux sanitaires. Je me suis dit, oui, mais là, comme ces coffres-là, ils sont plus ou moins isolés, mais ils peuvent prendre le froid par ici. Est-ce que là, le temps que la température redescend à l'intérieur, est-ce que ici, mes tuyaux sanitaires ne vont pas avoir le temps de geler? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis confronté à ce petit problème et je ne sais pas si ça va être un problème. Ah, j'ai mal au bras. Je ne sais pas si ça va être un problème parce qu'on n'a pas encore fait le test, en fait. Donc ça, c'est vraiment... je suis en train de me poser la question là-dessus. Je me dis, mince, le car à l'intérieur,
il garde très bien la chaleur. Et c'est pour ça qu'il redescend tout doucement. Ici, quand le V-Basto il tourne, il fait chaud dans les soutes. Il fait chaud dans les soutes. De l'autre côté, où il y a ma pompe à eau, il fait chaud aussi. Donc voilà, j'ai tout mon système qui est hors gel. Mais quand mon V-Basto il se coupe, vous voyez ce que je veux dire ? La température là-dedans, elle va descendre beaucoup plus vite que dans ma cellule. Donc, je me suis posé cette question-là. Et si franchement, ça gèle, et ben ça pue parce que j'ai tous mes tuyaux sanitaires, j'ai ma pompe à eau, donc c'est galère. Alors je me dis, j'espère que je ne vais pas être obligé de remonter un autre petit chauffage. Vous imaginez, ça va en faire des chauffages. Ça va en faire des chauffages. Alors je suis en pleine réflexion là-dessus, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, en tous les cas, je le laisse, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais je me dis, est-ce qu'il faut pas que je mette des tuyaux chauffants, vous savez, sur mes tuyaux sanitaires, des tuyaux électriques. Mais je me dis, en hiver, quand c'est là où on galère avec le chauffage et qu'on n'a pas beaucoup d'électricité, on va pas les mettre des tuyaux chauffants qui fonctionnent au 220, ça va me plonger mes batteries, au final je vais être en panne de batterie, puis les tuyaux ça va pas les empêcher de geler. Ou alors est-ce que je remonte un petit V-Basto tout simple à air pour chauffer vraiment, quand c'est utile, quand il y a besoin, les soutes. Ou alors, j'ai pensé à un autre truc, j'en ai parlé avec Jeff, j'aurais bien monté un deuxième thermostat, en fait j'aurais mis deux thermostats en parallèle, c'est ça. C'est-à-dire que je vais monter un thermostat à l'intérieur ici, que je vais régler, mettons, à 10 degrés. C'est-à-dire que quand ma température redescendra à 10 degrés, il va se remettre en route. Par contre, en haut, du coup, on sera peut-être à 21 degrés, ça remettra à chauffer tout le système. Vous voyez ? Mais c'est pas grave, au pire, on ouvre une petite fenêtre pour faire une circulation d'air si vraiment il fait trop chaud. Mais au moins, ça me préserve mes tuyaux sanitaires quand je suis dans des températures assez extrêmes et assez négatives. Je pense que ça, à partir de moins 10 degrés, c'est là où ça va commencer à galérer. Pareil ! Peut-être que comme là, on n'est pas encore dans des températures très basses, il se coupe. Peut-être que quand on sera dans des températures négatives, il va se mettre en route beaucoup plus souvent. Et dans ce cas-là, il va chauffer beaucoup plus souvent si mes soutes. Donc ça, pareil, je vous ferai un retour là-dessus. Mais j'y ai pensé, ça m'a tracassé. Je me suis dit, merde, ça se trouve, ça va déconner. Donc on verra. Dans tous les cas, sinon le chauffage à air qui est monté dans la cabine, il chauffe super bien. Et lui, si je le mets trop fort, si je le règle, mettons, à 22 degrés, donc thermostat 3, il me chauffe quasiment tout le bus, jusqu'aux chambres. Et du coup, le V-Basto à eau, lui, il se met plus en route, parce que le thermostat, il détecte qu'il fait chaud. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment que j'arrive à bien gérer ces deux chauffages et à bien mixer. Sinon, ce que je peux vous dire aussi, je rechange demain, c'est que j'aurais mis juste le V-Basto air dans la cabine et un V-Basto air un peu plus puissant pour chauffer tout le car. Je pense que ça aurait tout chauffé. Donc, est-ce que j'ai bien fait de m'être embêté à faire tout passer un système à eau pour avoir un chauffage central? Ou est-ce que j'aurais dû tout simplement mettre juste un petit V-Basto air comme on avait parlé au début, mais moi j'avais peur que ça chauffe pas assez. Mais maintenant c'est une certitude, quand je vois le car, comment il garde sa chaleur, je suis sûr qu'un V-Basto de 5000 watts serait chauffé tout le car. Et j'aurais même pu mettre une gaine en bas pour chauffer les soutes, pour éviter qu'elle soit hors gel. Voilà, donc ça c'est fait, hein. Comme je l'avais dit, c'est du test, le chauffage en tout, j'en ai peut-être eu pour avec les tuyaux à droite à gauche, ouais quand même, ça va peut-être coûter 400 €, dans tous les cas c'est pas perdu, parce que grâce à ça j'assainis tout le tour de mon car à l'intérieur, je peux chauffer mon sèche-serviette, et aussi je peux chauffer mon chauffe-eau, donc ce que j'ai monté, c'est pas perdu, mais on verra dans les mois à venir si ça fonctionne bien, et ça sera très intéressant de vous donner un retour là-dessus. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai commencé à enlever tous les scotchs. J'ai mis une plaque ici, une plaque blanche jusqu'en haut. J'ai enlevé tous les scotchs qu'il y avait partout. Et là, il me reste encore à faire voilà, des tout petits joints minuscules. Donc ça, ça va être fait quand il fera un peu meilleur. Alors, dans les soutes, il y a eu du boulot de fait aussi. Il y a eu du rangement. Oui, ah bon, oui, oui, même si tu l'as pas remarqué, j'en ai fait quand même. Donc il y a eu du rangement de fait parce que vous verrez dans une prochaine vidéo que je vais avoir besoin des soutes. Donc on a commencé à faire du rangement, tout ça, ça va dégager, hein, c'est tous les bidons d'huile quand on va faire les vidanges. Et j'ai réussi à supprimer une malle. Hé hey, Charlotte, t'as mis du styrodur dans ma soute? C'est à moi ça, hein, c'est mon espace. T'as pas le droit, c'est de la triche. Non, 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 tu vas me ranger ça. Hein, vous avez vu, hein, elle pique toute ma place. La mobilette, normalement, l'année prochaine, on essaiera peut-être de la vendre et d'acheter un petit châssis 125 parce qu'on peut monter à deux, tout simplement. Voilà, donc ça sera prévu pour l'année prochaine, pas pour l'instant.
Donc forcément, j'ai dû tout ressortir de tous les coffres pour pouvoir tout ranger ici. Donc là, voilà, il y a encore un petit peu de bazar, mais en fait, tout ça, ça va pouvoir virer. Et voilà, j'ai de la place sur ma grosse malle et je vais me retrouver avec de la place là-bas. Parce que je vais avoir des choses à stocker. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et si vous nous suivez un petit peu sur Insta, normalement, vous savez de quoi je parle. Voilà, on verra ça plus tard, ok? Pour l'instant, c'est encore en construction, tout ça. Et on est en train de voir comment on va faire. Et je vous en parlerai quand la vidéo sera finie. Pour l'instant, elle n'est pas finie. Et voilà, vous avez déjà un petit indice ici. Oui, il n'y a plus le porte-vélo. Mais Jérémy, pourquoi t'as... Attends, vous verrez ça plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve à l'intérieur avec Charlotte qui est en train de bosser. Et elle m'a fait travailler. Attends, j'ai fait tous ces mugs là déjà. J'ai... Tous ces mugs, bah attends, 30. Non, c'est des cartons de 36. J'ai déjà fait deux cartons, ça fait 72. Un carton et demi. T'as pas relevé 36 et 36 non, si, ça fait combien 36 et 36 72. C'est vrai? Non. Wow, je compte comme ça de tête sans le savoir. Vous voyez, je voulais faire une bêtise en fait. Je suis trop bon. J'ai fait 72 mugs et j'ai encore un carton à faire. Et en plus, je suis même pas payé. Si, je te paye en nature. Oh là là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je me dépêche à finir mes commandes. Donc là, c'est cool, regardez, je me suis fait mon petit stand avec ma petite machine, ma petite presse ici. Et puis là, quand ils sont finis, je les mets là. Et comme ça, je ne gêne pas Charlotte qui travaille, qui fait ses suites et puis ses expéditions là-bas. C'est ce qu'on s'est dit la semaine prochaine avec l'opération, ça va être un peu compliqué. Ouais, ça va être délicat. Donc, Jérémy, on avance, on avance, on avance. Et non, ce matin, en me levant, je dis, tu pourrais pas m'aider? Et puis, bah, il a été obligé de dire oui, quoi. Voilà, je l'ai regardé, j'ai fait... Et bah du coup on est assez content parce que ça avance bien tout ça. Aussi on avait déjà des grosses commandes et on avait un petit peu de commandes en retard, donc on est en train de mettre tout ça en route pour que vous... T'es plus en retard, bah voilà, ça y est. Les derniers colis ont été envoyés ce matin. Mais en fait j'en ai plein qui sont arrivés cette nuit. On est vendredi. On a eu la bonne idée de faire une vidéo sur de quoi on vit. Avec, et à la fin on a dit allez voir sur The Vadoyer Shop. Du coup on s'est fait encore déborder sur le site. Bah, tant mieux, c'est hein. Génial. Non mais tant mieux. C'est et ce donc, qu'il faut. Au final, on s'organise bien. Au final, bah du coup je suis plus en retard puisque ces commandes sont arrivées hier et aujourd'hui. Ouais. Donc, après on avait une grosse commande de mugs que je suis en train de faire. Donc, j'en ai une deuxième tout à l'heure, mais là d'ailleurs, c'était pas si, c'est un bandit. D'ailleurs, si tu nous regardes, désolé. Si tu nous regardes, je suis vraiment désolé. On n'a pas pu honorer ta commande. Il y en avait beaucoup trop. Donc là, non, c'est... Voilà, je vais vous faire voir une petite modif que j'ai fait dans les toilettes pour protéger justement le tuyau de chauffage. Et puis après, on va se quitter, ça va être à peu près tout. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend toujours les fameux papiers de l'Adréal. D'ailleurs, vendredi, il faut les appeler, chouchou. J'ai oublié d'appeler pour mon rendez-vous. Oh, et il faut appeler Adréal. On va appeler tout ça. Vous voyez, on attend toujours les papiers pour pouvoir faire notre carte grise. On a le droit de rouler dans les papiers provisoires. Mais moi, je ne veux pas partir en grand voyage, voilà, sans la carte grise définitive. Donc on attend, puis bah, ça fait une semaine ou pas loin de deux semaines qu'on appelle l'Adréal et on n'a personne. Donc là, on commence un peu à être énervé. C'est chiant parce qu'il faut attendre et on ne sait pas, et on n'a personne au bout du fil. Donc on ne sait pas. Alors vous voyez, là, on est dans les toilettes et en fait, j'ai fait faire une petite plaque avec des trous pour que le chauffage y puisse passer et puis pour éviter qu'on tape avec nos chaussures sur ce tuyau qui est un petit peu annelé et qui est assez fragile, vous voyez. Donc c'est une plaque que j'ai fait plier, voilà, qui est comme ça, avec des petits rebords pour mettre des vis ici, et là pareil, hop, vous voyez, tac. Donc quand on la met, ça donne ça. Voilà, je vais mettre, vous savez, je vais mettre 2-3 vis ici, pareil en bas, et ça sera nickel. Donc voilà, là je suis assez content et c'est assez costaud, hein. Là, vous pouvez même marcher dessus, c'est bon, quoi. Ils répondent pas? Tu m'avais peur? Non, ils répondent pas. Ça sonne, ça répond pas. Là, c'est l'Adréal, ça sonne et ça répond pas? Ouais. Ils sont casse-pieds. Hein. C'est chiant. Il est quelle heure? 16h. Bah, il est 16h aussi, t'appelles quand ils sont fermés, chouchou? Bah, c'est pas fermé, 16h. Quand même. D'ailleurs, c'est l'heure du goûter, ça serait bien que tu fasses des petits chocolats chauds ou des porridge. Tu peux pas aller ton ordinateur sur la gazinière? Ah. C'est peut-être la pause café. On va savoir, oui. Oh,
Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir monsieur, s'il vous plaît? Oui, j'ai appelé déjà deux ou trois fois cette semaine. Je devais rappeler vendredi après-midi puisqu'il était de permanence. Est-ce qu'il va me rappeler ou... Ah, ok. Ah, bah super. Super, merci. Il vient de se libérer. En exclu, là. Là, vous avez les nouvelles en même temps que nous. Bah vous l'aurez deux jours après. Il y a un souci dans le dossier, imagine. Ouais, c'est... Ah bah là, je le tue. The Purge. Oui, bonjour, c'est Monia Charlotte. Excusez-moi de vous déranger, j'ai appelé pour savoir si vous aviez des nouvelles de notre dossier, par hasard. On a passé un car en... un autocar en VSP et caravane, le 10 septembre. Non, rien du tout. Ah oui, c'est pas le nôtre, ouais, c'est bon. Un dossier de joie qui est revenu. Ah oui. Ah ouais, donc là, il y a des dossiers de juin qui viennent de, tout juste d'être traités. D'accord. Je pense que ça va prendre et temps, ouais, vous savez pas le temps, parce que là, ça va faire quasiment 2 mois. Du coup, vous avez pas du tout d'infos, rien du tout. Vous savez pas quand est-ce que ça va arriver, quoi. Ouais. D'accord. Alors il y a des dossiers de juin qui viennent d'être traités. Et en fait, les dossiers, ils sont revenus. Septembre, mais nous, on est en septembre. Ouais, ils sont revenus, les dossiers. Mais il a dit, moi, je m'inquiète pas du tout sur votre dossier. Il dit, vous inquiétez pas, c'est bon signe. Je suis d'accord. Oh là là il dit, je vous appelle, je vous ai pas, je vais vous demander de l'argent, donc forcément, je vais vous appeler. Ça te fait pas peur? Bah, si, mais bon. Et en fait, il appelle régulièrement la personne de Paris, parce qu'en fait, il a envoyé notre dossier Pour ministère de l'Environnement, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, cette personne, bah, non, c'est toujours pas prêt, quoi. Donc, bah, on attend. Oh là 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 là. Ne vous inquiétez pas, je vous appelle dès que c'est bon, puisque vous me devez de l'argent. Forcément, il faut qu'on paye tout le dossier, quoi. Ça va, c'est 86 euros, je crois, qu'on doit payer, ou 90. Donc, bah voilà, faut attendre encore, être patient. On va y arriver, tu crois? Non, franchement, là, on est dégoûté. Bah, du coup, va falloir patienter encore un petit peu. On a appris ça en même temps que vous, là. On cache notre joie. Ouais, franchement, c'est... là, ça peut pas être en plus plus direct. Hein, là, en plus, on s'est dit, si ça va être encore un petit peu long, on va partir un petit peu, comme on a les papiers provisoires. On va bouger un peu, je pense, dans le coin, là, du coup. Mais on va bouger, et puis là, ils vont nous dire, c'est bon, bon, on a les papiers. On va devoir refaire. Donc, on est bloqué un petit peu, coup, en fait. On sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit bouger? Est-ce qu'on doit rester? C'est pas facile. Ouais, franchement, c'est vraiment... Enfin bref, on va positiver et on va se dire que ça va arriver dans pas longtemps. Mais il faut avoir des bonnes ondes. Hein, là, ils vont avoir un grand week-end, ils vont retourner mardi au ils vont être... Allez, vas-y, le dossier des vadrouilleurs, pop. Et puis ça va le faire. Et puis bah, la semaine prochaine, on aura des nouvelles. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, on vous fait des gros bisous et vous avez eu les petites nouvelles de la semaine. T'as montré tout ce que... Ouais, j'ai montré tout ce que j'avais fait à droite, à gauche. Ça paraît pas grand-chose, mais c'était du boulot quand même. Alors à partir de la semaine prochaine, nous passons à 2 vidéos par semaine et toujours le live le dimanche soir. C'est quel jour les vidéos que tu voulais les mettre? Le mardi à 13h et le vendredi à 13h. Voilà, vous aurez une vidéo le mardi à 13h et le vendredi à 13h, je répète, pour que vous ayez bien entendu. Ça, et puis bah, le live à 19h et à partir du 1er décembre, il passera à 18h. Il va falloir s'habituer à avoir moins de vidéos parce que de toute façon, on pourra pas, même si on aurait voulu, à un rythme de 3 vidéos par semaine, ça n'aurait pas été possible dans certains pays avec les connexions. Ouais, et je ne sais même pas si des fois on arrivera à vous sortir une vidéo par semaine suivant la connexion qu'on aura. De toute façon, vous serez tenu au courant, on essaiera de mettre des petits posts et tout. Voilà, comme en Laponie, il y a des fois, j'avais eu tellement de séquences que je vous avais fait un jeudi, vendredi, samedi, dimanche des vidéos. Voilà, vous savez très bien que comme on vous adore, si on voit qu'on peut vous faire plus de vidéos, on vous fera plus de vidéos, ça sera des petites surprises, ça sera du bonus, et ça, c'est chouette. Donc, avoir la connexion quand on partira sur les routes. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Et prenez soin de vous. Ouais, faut qu'on arrive à 10 000 là, c'est le petit challenge, faut qu'on arrive à 10 000 sur Insta. Là. Franchement, ça serait trop bien. Ça serait trop bien, bientôt à 7 000, encore 2 000 et c'est bon quoi. Ouais, d'accord. Allez, gros bisous à vous. Allez, on vous embrasse. Bon week-end, ciao. Bye bye, tu coupes ?